plus on est à l'arrêt, c'est presque à l'arrêt. Salut les amis, c'est Chaos. Et Harmonie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite brocante. Voilà, entre 55 exposants. Mais on voit ça après le générique. La brocante n'est qu'à 10 minutes de la maison, donc on s'est dit on va faire l'intro avant de partir. C'est ça. Donc, direction la brocante, il y a entre 50 et 100 exposants, mais aujourd'hui c'est un jour un peu pluvieux, donc je pense qu'il y aura sûrement pas tout le monde. On est explosé parce qu'en ce moment on est en train de tout changer, on est en train de refaire du tri dans la gaming room, on travaille sur le projet Mangatech. Dans la Mangatech, enfin un peu partout. Bon, je te fais juste un petit débrief de comment moi j'ai fait. Bon, bien sûr, Chaos il va sûrement tout changer après. Mais du coup, j'ai mis du coup ces mangas-là. Je les ai même classés en plus par série, par ordre alphabétique et tout. Là, une autre partie de la Mangatech. Et de ce côté-ci. Oui, je me suis fait un petit kiff. Donc, voilà. Et il me reste encore cette machine-là qu'il va falloir que je démonte et que je monte là-haut. Là, ça, tout ça, ça va pareil, ça va monter là-haut. Bon, bon alors les gars, on va pas vous mentir, on vient de faire la brocante. Ouais, comme vous pouvez voir, on revient sous la pluie. On a fait un truc de ouf, mais on va pas vous en dire plus, on va leur laisser la surprise de découvrir. Bah, juste on leur explique. Alors attends, là il y a un gros... T'as failli éclater un pigeon. Ah non, mais il était énorme, oui, et du coup il arrivait pas à se déplacer. Je pense qu'il mangeait du kebab comme nous, parce qu'il a du mal à s'envoler. Hein. Il a fait trois blattements d'ailes, et il a fait trois blattements d'ailes, il a fait... Il a fait... Rou, rou, rou. Bon, pourquoi on est autant... réveillé, content, etc. Parce que déjà on a fini la brocante, on est bien réveillé par rapport à ça, et aussi... C'est aussi parce que Chaos nous a... en fait, il nous a parlé d'un timing parfait, alors vas-y, développe. En gros, moi je voulais me lever à 5h30, Harmonie a voulu se lever à 7h, on a coupé la poire en deux, on a fait 6h30, on est arrivé à une brocante, à la base entre 50 et 100 exposants, on est arrivé, il y avait que 8 exposants, mais il y avait l'exposant qui a sauvé la broc, avec donc un vous lot... Vous allez voir après dans la vidéo. Un beau, beau lot, avec plein de trucs à côté, et... regardez sur le retour. La flotte. En gros, on est arrivé, on a passé, honnêtement, on a passé 10 minutes sur la brocante. On est arrivé, on a passé 10 minutes à faire les 8 stands. Braquage, on repart, il pleut. Et là, il manque plus que les explosions derrière. Et ce qui était aussi hyper intéressant, la petite réflexion que tu m'as dit là aussi il y a 5 minutes, c'est que si on s'était levé une demi-heure plus tôt, le stand et ben, on n'aurait pas eu le petit lot qu'on a eu parce que le petit lot était en train de s'installer quand on est arrivé. Et si on s'était levé une demi-heure plus tard, vu qu'on a croisé un abonné qui cherchait du jeu vidéo, on n'aurait pas eu non plus. On est arrivé vraiment comme quoi, des fois ça se joue vraiment au coup de chance. Mmh. On est arrivé au bon moment. On est arrivé au moment où la dame en fait sortait tout simplement le sac de chez elle. En gros, le timing, comme je disais, timing parfait. Il manque plus que je dis. On repart en mode au ralenti avec explosion dans le dos, la colombe, la colombe qui s'envole. On a tout. Nickel. Ouais. Donc voilà les poteaux, on va laisser avec les images de la brocante. Et nous, on repart pas avec le soleil couchant, mais avec la pluie tombante. Voilà. Bon, bah ça y est, les gars, on est bien arrivés. Alors, ça va être une petite brocante. Et donc, c'est parti. Ok, merci. Attention, il y a un chien de garde, chérie. Ouais. Instantanément, il vient vers toi. Hein. Mmh. Oh, super. Salut, toi. Tu vas demander, du coup. J'ai un copain, du coup, ça y est. Ouais, ça y est, t'as un petit copain. Ouais. Oui. T'as un Pumba. Bonjour. Il y a une DS avec des jeux de DS. Ouais. Après, ça c'est des figurines pop, non c'est autre chose ça. Et ça c'est des mangas bouquins. C'est quoi le prix des figurines? Les figurines, alors, mon fils dort bien sûr, mais il m'a dit, je sais plus, les figurines pop, il a dit quoi Sacha? 7 euros, je crois. Et la DS avec les jeux? Si vous prenez la DS, c'est tous les jeux là. Ouais. Je sais pas, 20 euros ça vous va?
Et si je prends toutes les pop, vous me faites à quel prix? Alors, attendez, je vais retirer ce qui vous intéresserait peut-être pas. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 8, il y en a 10 et une sans boîte. Il y en a 12 là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, ça. Ouais, c'est pour ça que je vous disais 60. Ça ferait combien du coup l'unité? Si, parce qu'on s'était dit 7 euros la figurine pop, donc les 12 ça fera 84. Attends, si je te fais 60 divisé par 12, ça la met à 5. 5. Si je prends juste ces 3 là et celle qui est en loose là, avec la DS, vous pouvez me faire à 35 avec le loup. Vous pouvez me faire le loup à 35. Celle qui s'emboîte et 3 là avec la DS. Eh bah oui, 35, allez. Je vais pas regarder. Moi, tu pas regardé si elle a dit. Ah, ça est joli. En bon état. J'ai l'impression que c'est bien ça. Elle a très peu servi, oui. Bah, on fait comme ça alors. Non, parce que la semaine dernière, on a vu. Les états, c'était pas ça. Hein, ah, c'était. Oui. Ouais. T'as vu qui? T'as vu Pumba? Pumba, ouais. Bah, c'était il quoi? Est très sympa. Ça me fait de la peine de le quitter, si Tu veux le prendre, le Pumba? Je sais pas. Le Pumba, je vous laisse à 4 euros. Au gamin? Tu veux quoi? Que les Pokémon? Je vais passer Naruto. C'est les numéros 1, 3, 4. Est-ce que tu les prends? Si je prends les deux, vous pouvez me faire à 6. Pardon? Si je prends les deux, vous pouvez me faire à 6. 6 le tout? Ouais. Bon, là on a fait le premier stand, comme vous avez pu voir, on a trouvé 2-3 petits trucs. Et là, du coup, on va faire les 4-5 autres stands qui restent. Donc c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous avez des jeux vidéo ou des mangas? Non. C'est quoi ça? C'est pas le truc du même pécho, ça? Hum? Je pense que vous mettez pécho. Je connais pas. Ça par contre, ça je connais ça. Hein? Ouais. C'est combien les peluches, madame? C'est à mon conjoint, il est pas là encore. D'accord. Les petites là, elles sont pas chères, elles sont à 1 euro. Et autrement, les autres, oui, c'est vrai, je les ai pas marquées. Je prends celle-là alors. Et je vais avoir 1 euro sur moi. Je vais avoir ça normalement. Oui, super. Merci. Voilà. Bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée. Antepo Pulse. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez des jeux vidéo? Manga non plus? Ça marche, bonne journée. Merci. C'est original. Qu'est-ce que tu avais repéré? Non, je demandais si la dame avait ce qu'on cherche, et puis elle m'a dit qu'il y avait des trucs style Google Home. Mais nous, on est équipé en Alexa, nous. C'est la concurrence. Voilà. C'est ça. Ouais, non, ce sera pas. Ça aurait pu être sympa s'il y avait des trucs Alexa. Après, je fais une tombola pour mon club de remise en forme, si vous voulez vous inscrire. Je vous propose à tout le monde. Santé, bien-être, nutrition, etc. D'accord. Donc, je fais partie, donc je propose. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, chérie. C'est ça. Tout le monde. Faudrait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Ouais, non, mais même nous là, ça, en ce moment, c'est ce qu'on se dit. On se dit là, faut qu'on se reprenne en main. Et... C'est le seul petit stand où il y a un petit peu de jeu PS4, machin. Ah, mais mon Dieu. Bon, bah, les gars, on a croisé un petit abonné. Donc, petite rencontre sympathique. Ouais, et cool. Puis, bah, là, maintenant, on a fini notre petit tour. Comme on vous a dit, il n'y avait vraiment pas grand chose. Mm-hmm. On a trouvé quand même 2-3 petits trucs, on est plutôt content de ce qu'on a trouvé, hein, sachant que c'était à côté de la maison. Bah, sachant qu'il y avait 8 stands. Voilà, 8 stands et on va vous. Ouais. Chaos, il essaye d'ouvrir la voiture, mais sauf qu'en fait, c'est moi qui ai les clés, j'ai et pas là, encore ouvert. En plus. Et là, il pleut, les gars, il commence à flotter au moment où. On est parti au bon alors, moment. Tu nous montres quand même vite fait, parce que vu qu'il n'y a pas grand chose, j'aimerais bien. Peut-être qu'on fera à la maison, mais au moins on l'a. Voilà, au cas où.
un petit Pupples que Harmony a vu. Moi, je suis passé au stand. Moi, j'ai l'œil, les gars. Il était de dos comme ça, il avait le boule, ouais, le boule, genre... en, il avait le boule en arrière. Non, mais c'est juste que t'as rien vu, c'est tout. Donc, assume. 1 euro, c'est cool. Là, je l'ai payé 6 euros avec le mécano. Hein. Hop. Il y avait une voiture mécano. En gros, ça te revient à 3 et 3. Ouais, alors je l'ai pris parce que c'est Pumba, j'aime bien. Et t'avais et Timon. C'est vrai? Bah oui, même t'as dit, il est dans la chambre de ton fils. Ah, je croyais que tu me disais que sur le stand, il y avait Timon. Non. Oui, du coup, j'ai t'as Timon, Timon à la maison, Pumba. Donc, du ouais, coup, t'as cool. Pumba et le mécano. À savoir que les... peut-être trop basse. Oups. À savoir que le Royaume, c'est mon Disney préféré avec Aladdin. Ça, c'est mes D'accord. deux Disney préférés, quoi, en gros. Oui, ça, tu me l'as souvent dit. Ensuite. Ensuite, ça, c'est pour moi. Ouais, t'arrêtes les DVD, t'arrêtes, tu fais bon, chier là, avec les DVD. Gars, non, mais j'ai une explication. Elle a pris un double box DVD alors qu'Aladdin, elle disait, je veux plus qu'ils prennent deux DVD. Alors, en fait, il y a le film Eragon dessus. Et Eragon... Ouais, mais tu m'en mets partout. Non, mais Eragon, je l'ai pas. J'en ai marre des DVD. Coffret. Il est beau, le petit coffret. Bref, bon, allez, c'est moi qui ai craqué. 1 euro, le coffret des deux, parce qu'en fait, on avait le voleur de foudre, c'est ça? Oui. Et tu voulais Eragon, c'est ça? C'est ça. Mais c'est pas du tout la même licence, hein. C'est deux trucs différents. Ah, ok, d'accord. Moi, au début, j'ai cru que c'était Percy Jackson 1 et 2. J'aurais bien voulu que ce soit le 1 et 2, parce que le 2, j'ai pas, mais bon. Et le meilleur, c'est dans mon sac, je crois, si je dis pas de bêtises. Dans ton sac et le mien. On a dispatché. Ah, comme ça, alors ça, c'est la première transaction, du coup. Alors. Un petit vide maison. Enfin, moi, c'est une brocante, mais dans la maison, dans le terrain. Et en gros, il y avait un petit lot de jeux DS. Donc, on a... Tu regardes en même temps s'ils sont dedans, comme ça, on aura la surprise de savoir s'ils sont dedans. Alors, il y a Cars 2 qui est dedans. Complet. Bah, vu l'état, c'est un enfant qui prenait soin de ses affaires. Mm. Tu fais attention que ça se barre pas. Hop. Après, on a... Inazuma Eleven, c'est Tempête de Feu, c'est le 2, donc pareil. Complet. Il est là, ouais. Et il y a un, c'est quoi? Ah, il a plié le truc en deux, d'accord. Hop. Attention, range-les bien. Après, Batman DC Super Héros, c'est le 2. Donc on le met mieux pareil, comme ça. Complet. Ouais. Rohari. La voiture de course. Ouais, il est marqué quoi? Oui, c'est là, putain, j'arrive pas à lire, je suis fracasse. Complet, pareil. Ça, c'est pas marrant ça. Indiana Jones 2. Lego. Ouais, ça a l'air sympa. Tac, il est complet. Après, on a. C'est léger là. Là, il y a que. Eh ben là, il y a rien. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait des petits jeux qui traînaient dans une boîte, on va voir. Playmobil, Interactive Chevalier, Le Royaume. C'est la première fois que je vois ces jeux là. Et il y a pas. Mais j'ai vu des jeux qui traînaient là. Alors, on va voir ce qu'il y a dans les jeux qui traînent, s'il y a les fameux deux jeux. Et je suis sûr qu'ils sont dedans. Alors. On a Lego Knight, bah, c'est ça, tu vois, il est là, j'avais raison. Oh, Super Mario, c'est cool. Là, c'est quoi? Pirates des Caraïbes. Ah bah non, on l'a pas du coup. Ah, peut-être dans la console. Mario DS Party, ça c'est cool aussi. Ah, il y a une voiture, elle fait beaucoup de bruit là. Tu vas l'engueuler. Et du coup, voilà, donc en gros, il y a deux. C'est pas une boîte de DS? Si, tu peux en mettre, je crois que tu peux en mettre deux. Ou si c'est pas une boîte, en tout cas, c'est à peu près la bonne dimension, quelque chose près. Ouais. Donc en tout cas, ouais, on a deux Mario, ça c'est génial. Un petit Pirate des Caraïbes. On a retrouvé le jeu qui va dans les Playmobil. T'es sûr que c'est le même jeu? Oui. C'est Knight. Mais c'est en anglais, regarde bien la cover. Chevalier Knight. Bah oui, bébé. Oups. Alors, pas t'es pas bilingue. Et donc ce serait Inazuma Eleven qui serait potentiellement dans la console. Moi je vois bien comme ça. Il y a rien d'autre dans ton sac? Non. Ok. Donc là il y a une hop et là on a des petites pop. Donc ouais, on a. Ouais, mais la console elle est dans ton sac. Hein. Boubou. Ah ouais. On a Boubou, on a Cell. C'est génial. Pop DBZ. Hop, une petite pop Naruto qui fait son Rasengan. Et ici. Et du coup on doit avoir une petite un petit pop en mode folder. Enzo il kiffe, c'est son personnage préféré de manga. Ouais, mais je sais pas si je passerai. Hein. Moi aussi c'est mon personnage préféré. Oh oui, c'est vrai. Oh, une belle DS. Elle est belle avec la pochette. Toute nickel, avec un jeu dedans. Alors, verdict, est-ce qu'il s'agit est-ce que, de Mazuma Eleven? Est-ce que j'ai eu raison? Et Mazuma Eleven. C'est qui le beau gosse? C'est toi le beau gosse, chérie. Ah, je le savais. Ah, il avait raison, mon ami. En fait, je le sais pourquoi. Parce qu'il prend trop soin de ses affaires. Tout est propre, que ce tout est nickel. Tout, et qu'il y ait une boîte sans jeu, ça me paraissait bizarre. Bah, elle est sans notice, hein. Oui, bah après peut-être qu'il y avait juste un flyer ou peut-être qu'il avait acheté l'occasion aussi. Et du coup le chargeur qui est en bon état. Ouais, la semaine dernière on en avait rentré un. Hein. On l'a même pas montré en vidéo. Mais non, on l'a même pas montré en vidéo. Mais je vais vous le montrer peut-être sur celle-là. Il était mais tout défoncé. Et la nana a dit ouais, ça fonctionne bien. Et en fait en rentrant à la maison, je fais mais en fait il est défoncé son chargeur. Donc c'était 35 plus 6. Alors 35 ça, après les 6 euros ça. Donc là, t'as 33 euros. T'as 33 euros de tout achat? Alors on a 30, 20. 30, 20.
plus les pop, on était à, du coup, à 35. Ouais. Plus le mécano et ça, ça fait 6, ça fait 41. Alors, c'est 41. 41, 42, 43. 43. Ouais. Et les gars, et ben vous savez c'est quoi, c'est pas le prix de la DS. Et surtout, et ben il y a la petite pluie qui arrive là, il commence à pleuvoir. Donc ben écoutez les gars, c'est l'heure de rentrer à la maison. De ouf. On va aller se on a plein de choses à faire, donc on va aller attaquer on les travaux de la Mangatech. Ouais. Donc on vous fait des gros bisous et puis ben on se retrouvera sur d'autres vidéos. Générique. Bon, alors là, les gars, ce qui est trop génial, c'est que là, on est arrivé, on est en train de décharger, et regardez, il a arrêté de pleuvoir. Donc, c'est vraiment génial. Timing parfait. Timing parfait. Alors, ça me plaît comme ça, ça me prend encore. Timing parfait. Timing parfait. Ouais, c'est pas mal comme titre. On a fait un braquage rapide.